Le prince William et le prince Harry se sont réunis pour dévoiler une statue à la mémoire de leur mère, mais les experts disent que cela ne signifie pas nécessairement un dégel de la faille. Le prince William et le prince Harry ont peut-être semblé sans tension lors de la cérémonie de dévoilement jeudi d'une nouvelle statue de la princesse Diana, mais un initié royal prévient que cela va prendre beaucoup plus avant que les deux frères ne mettent de côté leurs différences. La cérémonie dans le jardin en contrebas du palais de Kensington marquait la première fois que les deux frères royaux se réunissaient depuis les funérailles du prince Philippe en avril. L'expert royal Cathy Nicole a déclaré à Good Morning Britain, ils semblaient sans tension et ensemble pour la première fois depuis les funérailles du duc d'Édimbourg. Est-ce que cela signifie un dégel de la faille? Personnellement, je pense qu'il faudra beaucoup plus qu'un dévoilement de statut pour régler les choses, mais c'est un petit pas vers une réconciliation que le monde veut voir. Elle a poursuivi, si Diana avait toujours été là aujourd'hui, je ne pense pas que la faille serait arrivée à ce stade. Elle leur aurait littéralement cogné la tête et leur aurait dit allez, réglons ça. Il y avait de la tristesse hier, comme ici, les deux frères rendant hommage à l'héritage remarquable et incroyable de Diana et pourtant cette proximité, ce lien autrefois incassable cesse d'effet. Les relations entre William et Harry sont tendues depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé leur intention de se retirer de la famille royale en janvier 2020. Depuis, le couple s'est installé en Californie et a participé à plusieurs apparitions médiatiques, où ils ont ouvertement critiqué la monarchie. Au cours d'une interview révélatrice de 2 heures avec Oprah Winfrey, Harry a parlé de sa relation tendue avec son frère. Il a qualifié l'état actuel de leur relation d'espèce et a déclaré qu'il était sur des chemins différents. Il a également déclaré que son frère et son père étaient piégés dans l'établissement et ne pouvaient pas partir. L'interview a provoqué une crise de relations publiques pour Buckingham Palace, après que les Sussex ont fait un certain nombre d'allégations accablantes sur l'établissement et des membres individuels de la famille royale. Parmi ceux-ci, le palais de Buckingham a ignoré les demandes de soutien en santé mentale du couple, ce qui a finalement laissé Meghan Markle se sentir suicidaire pendant sa grossesse. Ils ont également déclaré à Oprah que le personnel du palais avait refusé de corriger des articles de tabloïds préjudiciables qui étaient continuellement imprimés sur la duchesse. Cependant, la révélation la plus dommageable était qu'un membre senior de la famille royale avait fait un commentaire raciste sur la couleur de la peau de leur enfant à naître. L'interview a aggravé les relations entre le duc et la duchesse de Sussex et le reste de la famille royale. Bien que le prince William et le prince Harry aient affiché un front uni lors des funérailles du prince Philippe en avril, les discussions privées entre les deux auraient été improductives. Depuis, le prince Harry est en Californie avec sa femme et sa jeune famille. Il est rentré à Londres vendredi dernier, afin de s'isoler pendant 5 jours à Frogmore Cottage avant d'assister à la cérémonie d'HUER. Les deux frères ont commandé la statue en 2017 pour honorer ce qui aurait été le 60e anniversaire de la princesse Diana. Conçue par le sculpteur britannique Ian Rank Broadley, la statue est une célébration du travail humanitaire et de l'héritage de Diana. Il a été placé dans le Sunken Garden du palais de Kensington. La princesse Diana est décédée en 1997 à l'âge de 36 ans des suites d'un accident de voiture à Paris.